frappe. Magdalena pour la Pologne. Et voici Alina Kabaeva, la seule qui, selon nous, peut encore inquiéter Irina. Il faut que, au ballon, cela se passe parfaitement. Et elle en est tout à fait capable. Pour la Russie, là. Ah non, ne me dites pas. Oh, la musique qui ne démarre pas sur la championne du monde. En plus, une position, je pense. Pas ah non, oui, la position très est très très difficile à tenir. Tout à fait. Je ne veux pas être méchant pour les organisateurs, mais là, c'est tout de même très très dur, là, ce qui se passe. Alina a du mal à tenir, elle va se remettre en place. Vraiment, j'espère que les juges pourront faire preuve de mensuétude pour Alina, car là, vraiment, ce n'est pas bien. Vraiment, ce n'est pas bien de la part des organisateurs que de ne pas prévoir des musiques qui partent à l'heure. Quand il y a tant de concentration pour 1 minute 15, on ne peut pas se permettre d'attendre 15 ou 30 secondes comme cela. Ce n'est pas possible, ça. Style pour Alina, très jazz, très moderne, qui lui va très bien d'ailleurs. Un joli rattrapé. Le final, très bien maîtrisé. Un très très bon enchaînement d'Alina, mais je pense que la faute au cerceau ne pourra pas être rattrapée par cet enchaînement au ballon.